Mesdames et messieurs, bonjour et toutes nos sincères condoléances au peuple frère de la Libye et du Maroc à cause de ces victimes qui ont perdu leur vie à cause de ces désastres naturels et à cause de ces catastrophes plutôt naturelles. Donc, commençons tout de suite par, si je puis dire, les condoléances présentées par notre président, le président Abdel Fattah el-Sissi, au nom du peuple égyptien et en son nom et personnellement. Ses sincères condoléances ont été présentées par lui au Maroc et en Libye suite aux victimes du séisme et à l'ouragan dans ces deux pays frères. Un deuil national de 3 jours a été annoncé en Égypte en solidarité avec le peuple marocain libyen. Et le chef de l'État a enjoint d'immédiatement apporter les aides humanitaires nécessaires et les services de secours par air et par la mer pour venir à l'aide des sinistrés dans les deux pays. Le président Abdel Fattah el-Sissi s'est réuni en fait hier avec un nombre de commandants des forces armées. Le président a également instruit de fournir toutes les formes de soutien humanitaire, y compris des kits de secours, du matériel de sauvetage, des camps d'hébergement pour les personnes touchées et ce, en coopération et en coordination avec les agences et les institutions libyennes et marocaines. Le président a affirmé la pleine solidarité de l'Égypte et sa position aux côtés des frères du Maroc et de la Libye. Sur le plan politique, l'Égypte n'épargnera aucun effort pour soutenir les frères libyens, présenter toutes les formes de secours et de soutien par tous les moyens, selon les affirmations faites par M. le Président Abdel Fattah el-Sissi lors d'un appel téléphonique reçu par le Président du Conseil présidentiel libyen, Mohamed El-Menifi. Monsieur le Président a affirmé que l'Égypte affichait sa pleine solidarité avec les Libyens face aux répercussions de la catastrophe humanitaire causée par l'ouragan Daniel, présentant ses sincères condoléances pour les victimes. Monsieur le ministre, de sa part, a exprimé la profonde appréciation du gouvernement du peuple libyen pour le soutien égyptien sincère. Monsieur Menif a valorisé à cet égard les efforts égyptiens inlassables soutenant la Libye face à cette crise humanitaire sans précédent. Les directives données par le président Sissi aux forces armées égyptiennes d'apporter le soutien immédiat et d'envoyer des équipes de secours et des équipements de sauvetage à la Libye dans le cadre de relations fraternelles historiques liant les deux pays et les deux peuples. Sur le terrain en Libye, une délégation militaire égyptienne sous la conduite des chefs d'état-major des forces armées du tenant général Hossam Araskar est arrivée hier en Libye pour fournir toutes sortes de soutien logistique et de secours humanitaires urgents en coopération avec les institutions libyennes concernées. Cette visite s'inscrit dans le cadre des institutions du président de la République Abdel Fattah el-Sissi et partant de la solidarité de l'Égypte envers le peuple libyen dans toutes les crises. Un pont aérien sera organisé comprenant 3 avions militaires ayant à bord des équipements médicaux de nourriture et 25 équipes de secours, un autre avion pour l'évacuation des martyrs et des blessés. Arrivons justement, chers téléspectateurs, à nos reportages qui vont jeter plus de lumière sur la participation du président égyptien Abdel Fattah el-Sissi au G20 à New Delhi avec plus de précision lors de la séance d'ouverture du 18e sommet des dirigeants du groupe des 20 tenu à New Delhi avec la participation des dirigeants des 30 pays. Monsieur le président Abdel Fattah el-Sissi a indiqué que l'Égypte avait adopté dans le cadre de sa présidence du comité d'orientation des chefs d'État du gouvernement de l'Agence de développement de l'Union africaine, NEPAD, et en coordination avec les frères africains, des objectifs spécifiques pour soutenir nos pays. Les explications tout de suite. Le président Abdel Fattah el-Sissi a indiqué que l'Égypte avait adopté dans le cadre de sa présidence du comité d'orientation des chefs d'État et de gouvernement de l'Agence de développement de l'Union africaine, NEPAD, en coordination avec les frères africains, des objectifs spécifiques pour soutenir nos pays en se concentrant sur la promotion de l'intégration économique continentale et l'accélération de la mise en œuvre du programme de développement de l'Afrique, l'activation de l'accord de libre-échange continental et la mobilisation de ressources pour les domaines prioritaires liés aux infrastructures, à l'énergie, aux communications et à la sécurité alimentaire.
Monsieur Abdel Fattah Sissi s'est exprimé lors de la séance d'ouverture du 18e sommet des dirigeants du groupe des 20, tenu à New Delhi, avec la participation des dirigeants de 30 pays. Lors de l'actuelle présidence égyptienne de la 27e session de la conférence sur le climat COP27, l'Égypte a réussi à rééquilibrer l'agenda climatique international, notamment en incluant l'idée d'une transition juste vers l'économie verte et en appelant à la création d'un fonds pour faire face aux pertes et aux dommages climatiques, a ajouté M. Al-Sisi. Le chef de l'État a également souligné la nécessité pour chaque partie d'assumer ses responsabilités sur la base des principes de responsabilité partagée et d'équité et de mettre en œuvre les décisions adoptées à l'ombre de la gravité du défi posé par le changement climatique et le consensus mondial sur l'importance de le surmonter. D'autre part, le président de Fattah Sissi a participé à New Delhi au mini-sommet afro-européen et qui s'est tenu en marge du sommet de G20 rassemblant les dirigeants représentants de plusieurs pays africains et européens. Tout de suite, les explications. Le président Abdel Fattah Sissi a participé à New Delhi au mini-sommet afro-européen qui se tient en marge du sommet du G20 rassemblant les dirigeants et les représentants de l'Allemagne, de l'Italie, de l'Espagne, des Pays-Bas, de la France, de l'Afrique du Sud, du Nigeria et des Comores. En tant que pays président de l'Union africaine, aux côtés de l'Union européenne, de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, le sommet a porté sur les derniers développements d'un certain nombre de questions d'intérêt commun, notamment l'adhésion de l'Union africaine au G20, qui représente un pas dans la bonne direction pour mettre les priorités du continent noir à l'ordre du jour de l'agenda international, selon M. Al-Sisi. C'est ce qu'a indiqué Monsieur Ahmed Fahmy, porte-parole de la présidence. Quant à la conjoncture internationale actuelle et ses répercussions négatives sur la question de la sécurité alimentaire, le président égyptien a affirmé que le fait de contenir les défis de la crise alimentaire croissante, en particulier sur le continent africain, exigeait l'élaboration d'une vision commune pour renforcer la gouvernance du système mondial de sécurité alimentaire basé sur le système multilatéral, ainsi que sur la cohérence des efforts des institutions financières internationales et des parties actives pour répondre rapidement et efficacement à la crise, selon le porte-parole. M. Al-Sisi a également souligné que l'une des priorités les plus importantes de la présidence égyptienne du comité directeur du NEPAD était d'activer le programme détaillé de développement de l'agriculture africaine, compte tenu du besoin urgent de soutien au secteur agricole et de développement rural pour assurer la sécurité alimentaire des peuples du continent, a précisé M. Fahmy. Au cours du mini-sommet, les dirigeants africains et européens sont convenus de l'importance de poursuivre la coordination conjointe pour tirer le meilleur parti du partenariat afro-européen en vue de partager les intérêts et les gains communs. Toujours dans le cadre de ce sommet de G20, le président de Fattah Sissi a eu plusieurs rencontres bilatérales avec les leaders qui ont participé à ce sommet qui s'est tenu à New Delhi. Les explications tout de suite. Président Abdel Fattah Sissi s'est entretenu avec le chancelier allemand Olaf Scholz. Les deux bords ont loué le développement des relations bilatérales entre l'Égypte et l'Allemagne dans tous les domaines, soulignant l'aspiration à maximiser la coopération conjointe au cours de la prochaine période et à renforcer la coordination et la consultation politique, selon le porte-parole de la présidence Ahmed Fahmy. Ils ont également examiné les cadres de coopération existants dans divers domaines, notamment dans les secteurs des transports, de l'industrialisation et de l'énergie, ainsi que l'augmentation des investissements allemands en Égypte et le renforcement de la coopération économique entre les deux parties, a ajouté M. Fahmy. La réunion a abordé aussi l'examen des moyens de coordonner les efforts entre les deux pays dans le domaine de la lutte contre l'immigration clandestine, ainsi que l'évolution d'un certain nombre de questions régionales et internationales d'intérêt commun, notamment la crise au Soudan, ainsi que la crise russo-ukrainienne, a-t-il conclu.
Toujours en marge du sommet du G20 en Inde, le président Abdel Fattah el-Sissi a rencontré son homologue français Emmanuel Macron. Voyant que le président el-Sissi a eu des rencontres bilatérales à New Delhi avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, le premier ministre chinois Li Qiang et le président brésilien Lula da Silva. M. el-Sissi a rencontré le premier ministre japonais Fumio Kishida, le président sud-africain Cyril Ramaphosa, le président comorien Zali Assoumani et le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé Tedros Adhanom en marge du sommet du G20 à New Delhi. Donc, quels sont les messages qui ont été envoyés par M. le Président au cours de ce G20? Quelles sont les priorités d'après la vision égyptienne concernant le continent africain dans le domaine de la sécurité alimentaire, énergétique et dans d'autres domaines comme la lutte contre le changement climatique et l'industrialisation, par exemple? C'est ce qu'on va savoir ensemble à travers les analyses et les réponses de notre invité qui se trouve actuellement en ligne de la TV internationale, Monsieur Mustafa Tamem, ex-cadre dans le Fonds monétaire international FMI. Monsieur Mustafa Tamem, vous êtes toujours le bienvenu et bonjour. Bonjour à vous. Bonjour monsieur, ma première question porte sur quels sont les messages de président de Fattah el-Sissi qui ont retenu votre attention. Certainement, le président a donné quelques messages très très importants. Certainement, il a concentré sur le sujet du climat et le sujet des dettes internationales et de la crise mondiale économique et politique, et certainement il a mis une solution que c'est très nécessaire d'avoir une coopération entre les pays du monde pour élever les effets négatifs qu'on a vus les mois passés dans tous ces domaines-là, le domaine politique, le domaine économique et le domaine du climat. Et alors certainement, ça c'est un message très très important. Mais j'espère que le monde va prendre ça sérieusement parce que la situation maintenant est très dangereuse. Ouais. En fait, Monsieur le Président, par exemple, a affirmé l'exigence d'élaborer une vision commune pour renforcer la gouvernance du système mondial de la sécurité alimentaire basé sur le système multilatéral. Comment vous avez vu cette priorité ou ce message? C'est un message très très important parce que ce facteur-là constitue un facteur très important et qui a un effet dans beaucoup de domaines. Et certainement, le président a vu que c'est très important d'avoir une coopération entre les pays mondiaux dans ce domaine-là. Et certainement, peut-être, moi je pense que après tous les événements qu'on avait vus depuis les mois passés, moi, je pense que le monde entier va prendre ces recommandations du président sérieusement parce que la situation est très, très grave et certainement, on doit prendre une action. Le monde entier doit prendre une action parce que la situation est très, très grave et très, très dangereuse aussi. Oui. Et à quel point vous trouvez que l'Égypte a appelé à une sorte d'un système mondial multilatéral pour résoudre les différentes crises ou les différentes crises pour arriver à rééquilibrer le système mondial quand on parle du niveau politique, économique, sécurité alimentaire, sécurité énergétique, lutte contre le changement climatique?
Certainement, l'Égypte a pris un rôle très important et ça, c'était, on avait un événement très important, c'était le COP27 et l'Égypte a joué un rôle très, très important dans ce domaine-là. De l'autre côté aussi, l'Égypte, si on donne beaucoup d'importance pour beaucoup des facteurs qui affectent le climat, comme l'énergie verte, on a beaucoup de projets dans ce domaine-là. Aussi dans utiliser les ressources d'énergie non traditionnelles, pas le pétrole et le gaz, des autres ressources. On a beaucoup de projets dans ce domaine-là. Dans le domaine de l'agriculture aussi, ça va affecter le domaine économique. Certainement, l'État a pris beaucoup de pas pour élever le domaine agriculture et on avait le projet de 1,5 million Fadal pour avoir la nourriture suffisante parce que, comme vous savez, la guerre en Ukraine avait des effets négatifs au monde entier dans beaucoup de domaines. Alors certainement, ouais. L'Égypte veut être dépendant, pas dans un facteur extérieur, parce que certainement maintenant, quand vous voyez le commerce entre le monde entier avec ces guerres-là et ces problèmes-là, c'est très difficile. Oui, raison pour laquelle on a trouvé le président, ou quand même l'Égypte, dans plusieurs reprises ou à plusieurs reprises, a jeté la lumière sur la nécessité de ne pas négliger le financement de développement exigé dans les pays en voie de développement et ou avec l'autre côté, le financement pour l'action climatique ou pour la lutte contre le changement climatique. Comment vous avez vu de telles précisions? Je vais vous dire un point très, très important que l'Égypte avait une conférence depuis un mois avec la Banque africaine ici, qui a pris place à Sharm el-Cheikh. Et certainement, l'objectif de ce sommet-là, c'était d'élever les pays africains dans beaucoup de domaines. Pas seulement dans le domaine financier, de leur domaine infrastructure, dans le domaine du climat. Et certainement, c'est beaucoup de ces pays-là africains souffrent des problèmes de finances. Et certainement, l'Égypte a joué un rôle très important pour donner un message au monde entier qu'on doit donner une importance à les pays africains parce qu'il y a beaucoup de ressources, il y a beaucoup de peut-être des chances pour avoir des investisseurs qui vont peut-être, si on va élever les obstacles, on pourra encourager les investisseurs ça, de l'extérieur et ça certainement, ça va avoir un effet positif sur les pays africains. En ce qui concerne les dettes, par exemple, les questions de la dette et le rôle de grandes institutions internationales comme la FMI, la Banque mondiale et d'autres institutions financières, comment vous avez vu la proposition égyptienne vis-à-vis de l'importance de faire un grand changement dans le domaine de la dette et dans le domaine des pays endettés, notamment les pays africains ou les pays en voie de développement en général? Ça, c'est un point très, très important. Et certainement, le président a donné beaucoup d'attention à le problème des dettes que les pays souffrent maintenant. Et il a donné peut-être un message très, très important. Si on va avoir une solution pour ces dettes-là, Ça va avoir une catastrophe financière mondiale. Et certainement, ça, ce serait très dangereux parce que ça va affecter tous les pays du monde, pas seulement certains pays. Alors certainement, ce message est très, très important. Et moi, je pense que la Banque mondiale et le FMI et les autres les institutions financières, comme la Banque africaine, pourraient jouer un rôle très important pour avoir une solution pour ce problème. Ça, c'est un problème très, très grave. Ouais. Ma dernière question porte sur comment vous avez vu ce mini-sommet afro-européen qui s'est tenu en marge de G20. Quand on parle de résultats, quand on parle de la manière avec laquelle ces leaders euro-africains ont traité plusieurs autres problèmes, notamment que les pays africains et les pays européens sont des voisins, en fin du compte. Monsieur...
Donc, je crois que nous n'avons pas pu avoir un autre temps additionnel pour cette édition. C'est pourquoi permettez-moi de vous remercier infiniment pour votre attention. À la prochaine.